Bonjour Pocoyo. Bonjour. Hé, tu as vu Pato? Mais si Pocoyo, derrière toi. Que fait notre ami canard? J'ai l'impression que Pocoyo ne le sait pas. Aidons-le. Vous voulez bien, les enfants? Dites-lui ce que fait Pato. Ils sautent à la corde! Pato saute à la corde! C'est ça! Pato saute à la corde et il a l'air de bien s'amuser. Je me demande qui vient par ici. Oh, je m'en doutais. Bonjour, Ellie. Ellie a une corde à sauter, elle aussi. Ah, d'accord, j'ai compris. Pocoyo aimerait bien avoir une corde à sauter lui aussi. Merci, Ellie. Maintenant, vous allez pouvoir sauter ensemble. C'est une très bonne idée de jeu. Faites comme Ellie. Es-tu sûr de savoir comment on saute à la corde, mon petit Pocoyo? Oh là là. C'est un petit peu plus difficile que ça en a l'air, pas vrai? Je sais. Pourquoi ne vas-tu pas demander à Ellie et à Pato? Je suis sûr qu'ils se feront un plaisir de t'apprendre. D'accord. C'est toi qui choisis. 1, 2, 3. Raté. Si ça peut t'aider, c'est moi qui vais compter. Es-tu prêt? 1, 2, 3. Pocoyo, où est la corde? Est-ce que tu vois où elle est tombée, Pocoyo? Oh zut! Pardon, Dodo l'oiseau. Pauvre Pocoyo. Tu as très envie de sauter à la corde avec tes amis, n'est-ce pas? Tu vas avoir besoin d'aide. Alors, qui pourrait bien t'apprendre à sauter à la corde? Vous connaissez quelqu'un, les enfants? Dites à Pocoyo qui pourrait lui donner des leçons. Demande à Ellie et à Pato. Mais oui, c'est une très bonne idée. Pourquoi tu ne demandes pas à Ellie et à Pato de t'apprendre?
Oh, mais oui! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'est parfait! Si Ellie et Pato font tourner la corde à ta place, tu vas pouvoir te concentrer uniquement sur le saut et du coup, ce sera beaucoup plus facile pour toi. Non, tu es parti trop tôt, il n'était pas prêt. La corde doit être en train de tourner quand tu t'élances. Je vais compter à ta place. Attention, prêt ? 1, 2, 3 ! Tu as réussi! Je suis fier de toi! Regardez les enfants, ça y est! Pocoyo sait sauter à la corde! Tu vois, Pocoyo, il n'y a rien de mal à demander de l'aide de temps en temps. La preuve, si on s'entête à vouloir se débrouiller tout seul, on peut passer à côté d'une super occasion de s'amuser! Et c'est ainsi que se termine une autre journée avec notre ami Pocoyo. Excusez-nous, mais on va continuer à sauter encore un petit peu. Au revoir et à très bientôt.